Alors bonjour. Donc juste pour replacer le contexte, dans le cadre de mon travail, j'ai lancé une série de petites fables que j'appelle les fables de l'innovation, qui sont là pour expliquer des concepts un petit peu compliqués ou des process liés à l'innovation et toujours en rapport avec l'histoire. Et donc ces petites fables ont pour but d'expliquer quelques mots compliqués à des personnes plutôt en entreprise de manière simple et rapide, parce qu'en entreprise, on n'a pas le temps de lire des livres de 500 pages. Donc, elle se présente sous cette forme-là. Donc, une petite page A4. Donc, c'est hyper rapide. Le matin au café, vous pouvez lire votre petite fable de l'innovation. Et donc, j'en ai écrit une sur le thème de la sérendipité ou comment trouver ce que l'on ne cherche pas. Donc, la sérendipité, c'est un mot un petit peu étrange et qui fait un petit peu peur quand on en parle autour de nous. Tout le monde dit « qu'est-ce que c'est ?» Donc la sérendipité, c'est l'histoire donc des pérégrinations des trois fils de Serendio. Donc c'est un vieux conte persan qui date du XIVe siècle et qui relate l'histoire de trois princes issus du royaume de Serendip. Ces trois princes sont chassés du royaume par leur père et partent entreprendre un périple à travers le monde. Tout au long de leur épopée, ils traversent des situations incongrues, mettant leur sens de l'observation et de la déduction à contribution. Dans chaque situation, les trois frères font des découvertes qu'ils ne cherchaient pas. Par exemple, un jour, ils rencontrent un Africain qui a perdu son chameau. À partir des traces observées, les frères arrivent alors à décrire parfaitement la situation. Ils disent que le chameau était borgne, qu'il lui manquait une dent, une boîte, qu'il était chargé d'huile d'un côté, de miel de l'autre et d'une femme enceinte. L'exactitude de leurs propos stupéfait cet Africain qui va l'amener au village et le glorifier. Grâce à toutes ces découvertes fortuites qu'ils vont faire tout au long de leur voyage, ils vont gagner richesse et prospérité. Donc voici donc l'origine de ce mot étrange qui tend à s'imposer aujourd'hui en France. Le mot de serendipity est tardif puisqu'il est forgé au XVIIIe siècle par l'écrivain Horace Walpole à partir d'une version anglaise du conte persan. Il souligne que les princes de Serendip découvraient toujours ce qu'ils ne cherchaient pas, par accident et sagacité. Si l'on reprend la définition de Darwin, c'est la qualité qui consiste à chercher quelque chose ayant trouvé autre chose, à reconnaître que ce qu'on a trouvé a plus d'importance que ce que l'on cherchait. Vous avez retenu ? Donc, la sérendipité n'est donc pas seulement le talent de trouver ce que l'on ne cherche pas, mais c'est d'exploiter et de développer cette observation. La curiosité de l'homme et sa faculté de répondre à l'imprévu sont sollicités. Il faut savoir saisir les opportunités qui s'ouvrent devant nous. Les découvertes par la sérendipité sont nombreuses. La pénicilline, les rayons X, le Lego, le carambar, le stéthoscope, l'aspartame, le velcro, le Viagra, bref, la liste est très très longue. Donc si la notion a aujourd'hui du succès, la sérendipité ouvre à une recherche émancipée, à la liberté de profiter de l'inattendu, loin d'une organisation trop rigide. Et donc la morale de cette fable, c'est que manager la sérendipité, c'est laisser la liberté d'explorer pour trouver ailleurs. Gilles Roriche dit, dans le fond, peut-être que l'entreprise est le pire des endroits pour innover. Cette phrase, je me suis dit, si l'entreprise qui est organisée, structurée, qui a des moyens, qui planifie, est le pire des endroits pour innover, c'est dans le désordre, sans doute dans l'inorganisation, dans le manque de moyens, que l'innovation va se faire. Et je me suis mis à réfléchir sur ces problèmes-là, et immédiatement je me suis dit, mais il y a quelque chose autour de nous qui innove sans cesse, c'est le vivant, animal comme végétal, l'animal un peu plus vite, on verra pourquoi, et il n'y a personne qui gère cette innovation permanente. Donc comment ça marche? Pourquoi les modèles du vivant autour de nous, le modèle de la biologie, ne servirait pas à comprendre nos mécanismes cognitifs liés à la découverte, la sérendipité, la découverte par hasard. Alors, on va essayer de suivre ce plan-là, la place du hasard dans l'histoire des sciences du vivant. Vous verrez qu'il y a une, vous le savez, il y a une répulsion face au hasard. Le hasard est quelque chose qui, par définition, on ne contrôle pas. Donc, même quand il a des effets positifs, intéressants, on a tendance à oublier ce rôle. En tout cas, le négliger, parce que dans le fond, ce n'est pas un vrai objet de science, il n'est pas directement observable, étudiable, et on est dépassé par le phénomène du hasard. Et on va voir que, petit à petit, les chercheurs acceptent de plus en plus de part du hasard dans un phénomène observé. Donc, moins d'explications
ce qui est aussi moins intéressant pour un chercheur. Et puis, comment fait-on pour exploiter ce qu'on découvre par hasard? Et c'est là-dessus que je voudrais insister, à partir des travaux d'un psychologue qui marque vraiment un tournant dans l'histoire de la psychologie, qui est Baldwin, donc nous reviendrons là-dessus. Je vais prendre des exemples célèbres de sérendipité, mais je ne vais pas trop m'étendre parce que ça, vous y avez accès, il y en a partout, on en parle beaucoup, et on a fait allusion à Fleming, il y a le pneumatique avec Goodyear, on va en parler, etc. Et puis, on parlera peut-être des freins à la sérendipité. Voilà. Alors, la sérendipité, ce n'est pas forcément de la recherche. Là, voilà une photographie qui est… Le photographe a photographié un petit héron et il a pris par hasard, on voit que là, c'est flou, un bec rouge qui est un oiseau très très rare et que le photographe n'espérait pas trouver. Donc, il obtient une photo, en quelque sorte, sérendipitique, qui n'est pas qu'il exploitera, il verra ce qu'il en fait, etc. Mais oui, c'est simplement un cadeau que lui fait… Il y a des films… Sérendipity, vous connaissez Blow Up d'Antonioni, ce film où un photographe s'amuse à prendre des photos d'un couple à qui ça ne plaira pas, mais ça c'est un détail, mais dans un des bosquets, ici, un meurtre est en train de se produire. Et ça, quand il va développer, tout Blow Up s'est développé, il va développer, agrandir sa photo, il va trouver ce meurtre, et là cette sérendipité va lui coûter cher, parce que le meurtrier veut effacer les traces de son meurtre, évidemment. Où il y a le même film pour s'amuser, Blowout de Palma, c'est l'explosion, Blowout, où un preneur de son entend, pendant qu'il enregistre les canards dans un étang, un accident de voiture. Puis il réécoute chez lui et il entend un coup de feu dans l'accident de voiture. Il y a deux sérendipités. Là aussi, ça va lui coûter cher. En gros, la sérendipité, c'est la capacité à avoir une conduite de détour. Vous savez, cette fameuse poule qui n'arrive pas à chercher les graines derrière le grillage, alors que le chien est capable de faire ça. Bien, on va voir que sans arrêt, il y a ce problème du détour qui va apparaître, renoncer à la piste que j'avais pour prendre une piste tout à fait nouvelle. La sérendipité, c'est l'innovation de rupture en arrière-plan, hein, ce n'est pas de l'innovation de continuité. Alors, d'abord, le hasard, ce mal-aimé, souvent, on le conçoit comme quelque chose d'abord le plus neutre possible. Vous avez tous hurlé quand un fil s'accroche au pied de la table en disant « je pourrais recommencer 10 fois avec ce fil, il ne s'accrocherait pas ». Ben là, il s'est accroché. Donc le hasard est considéré comme neutre, on le tolère dans sa neutralité. Et surtout, on n'imagine pas ses capacités à construire. Et la machine de Georges Gamow, c'est un physicien assez prodigieux qui a beaucoup travaillé avec Einstein et qui est à la fois… un des pères du Big Bang, et quand la double hélice est trouvée par double hélice d'ADN est trouvée par Crick et Watson ne savent pas ce qu'ils ont trouvé, en fait. Ils ont trouvé cette structure, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. On n'est pas encore descendu au niveau des bases qui la composent. Gamow fait l'hypothèse qu'ici, il y a les ordres, il y a la séquence d'ordres pour construire les protéines. Donc c'est quelqu'un qui… on peut lui faire confiance sur ce qui va arriver après. Il dit, vous êtes dans l'espace intersidéral, et vous trouvez une phrase très structurée, « Nous nous vîmes 500 en arrivant au port », etc. Vous dites, cette phrase, elle a été écrite par une intelligence, elle a été construite par quelqu'un qui a pensé. Eh bien non, pas du tout. Prenez 40 rouleaux, comme un compteur d'automobile. Sur le rouleau, chaque rouleau mettait l'alphabet, puis du blanc, des virgules, tout ce que vous voudrez. Ça vous fait 40 puissance 40. Mais toutes les phrases, prenez l'alphabet, celui-là, l'alphabet romain, cette machine qui va travailler pendant l'éternité, 40 puissance 40, va écrire toutes les phrases qui ont été écrites dans cet alphabet, toutes les langues qui utilisent cet alphabet, mais elle va écrire toutes celles qui seront écrites. Et un beau jour, vous aurez une phrase comme celle-ci, où vous ne pouvez rien faire, mais un beau jour, vous avez celle-là, nous nous vîmes où, et Pericolos pour Jersey, ou une autre encore. Et bien sûr, qui va trier 40 puissance 40 ? Personne. Passons maintenant au génome. Le génome, c'est quoi ? C'est 4 bases qui marchent par paire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. C'est que 4 bases. Ces 4 bases, dans l'ADN, elles pilotent 20 acides aminés. La séquence de ces acides aminés fait des protéines. Il y a des protéines qui ont 3 acides, il y en a qui en ont 3000. C'est vrai pour tout le vivant, que ce soit des végétales ou animales. Ça n'a pas changé depuis 3 milliards d'années, pratiquement pas. Il y a une base qui pointe son nez, une nouvelle, il y a un acide aminé qui se promène, mais globalement, on a ça. Vous avez 3 milliards de paires chez les animaux supérieurs, donc vous avez une combinatoire qui n'est pas chiffrable.
tellement elle est énorme. Ça, c'est ce qui va faire le vivant. Donc, c'est un alphabet, mais cette fois-ci, chaque fois que la ligne n'est pas bonne, elle est éliminée. La mort va éliminer les lignes qui sont ratées. Donc, la machine qui tourne, ce qui pose un problème, si on cherche le mystère, c'est pourquoi, depuis 3 milliards d'années, on a ces quatre bases, pourquoi il y a ces 20 acides aminés, pourquoi on trouve des météorites qui portent des acides aminés. Il y en a une, on a trouvé avec 109 acides aminés. On a trouvé une avec une des bases. Pourquoi on les trouve ailleurs dans l'univers? Ça, c'est un bon problème. Mais se dire, l'homme est très très complexe. Cette complexité révèle une sorte de création automatique? Non. Avec du temps, 3 milliards et demi d'années, une combinatoire très puissante, eh bien, on peut construire des structures très compliquées. Donc, le hasard, dans le cadre d'une combinatoire, peut déboucher sur une complexité très forte s'il y a un tri, s'il y a du temps, s'il y a de l'énergie. Alors, quand on regarde la façon dont le vivant a été interprété, on s'aperçoit qu'il y a un virage tous les 50 ans. Il en manque un de virage, on le verra après, parce que ce n'est pas un biologiste, c'est un psychologue. Il y a Lamarck, beaucoup de gens, au moment de Lamarck et au moment de Darwin, pensent qu'il y a une filiation des espèces. Des Grecs, déjà, ont écrit, certains pensaient qu'on sortait des poissons, etc., etc. Le scandale ne va pas venir de ce phénomène de descente du singe, vous savez, qui avait choqué énormément les théories transformistes que Lamarck déjà affirme. Sauf que dans Lamarck, il n'y a pas de hasard. C'est que les transformations qui se font, elles sont pilotées en quelque sorte par le besoin. Elles sont, la girafe va acquérir un grand coup parce qu'il faut aller chercher des plantes rares qui sont en hauteur. Et il fait une hypothèse énorme que cet élément est transmis, bien sûr, puisqu'on constate que les enfants des girafes ont des grands coups, cet élément est transmis à la descendance, ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Darwin, 50 ans après, va envoyer un coup de massue terrible, parce qu'il va dire, quoi? C'est le hasard qui explique l'évolution. Pourquoi? Au sein d'une même espèce qui est composée d'individus, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez pour stabiliser cette espèce, le rêve des éleveurs d'avoir que des poules noires à pattes jaunes, et puis au bout d'un moment, ils ont des poules jaunes à pattes noires au milieu. Et ça, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Donc ce désordre, ce qui est interprété comme du désordre, est en fait la base d'une future spéciation. Une nouvelle espèce ne peut pas naître d'une espèce ordonnée, elle peut naître que d'une espèce désordonnée. Donc qu'est-ce que fait Darwin? Il introduit, peut-être la première fois, on a fait les probabilités un siècle avant, mais ce n'est pas dans la philosophie, en quelque sorte, un rôle important du hasard. En gros, tout ça dépendrait du hasard et il y aurait une sélection après. Par hasard, j'ai un grand coup, vous savez tout ça. Je peux donc manger les feuilles qui sont en haut, je vais donc survivre, et ma descendance aura ce grand coup, évidemment. Mais quand le grand coup s'est fait, il n'y avait pas d'intention de le faire, évidemment. Et on a l'impression qu'on est en plein dans le hasard avec Darwin. Eh bien, pas encore assez. Pas encore assez, parce que vous savez que Darwin envisage l'évolution. Je n'ai pas du tout regardé lors du démarrage. Oui. Et Darwin travaille beaucoup sur la sélection par les caractères positifs. Je possède un plus et c'est pour ça que je survis. Sauf qu'il y a une limite à cette définition, c'est que s'il y a une véritable évolution, si tous ceux qui avancent dans la chaîne de l'évolution possèdent un plus, comment font ceux qui sont restés dans la chaîne avant pour survivre? Quand on se dit qu'on a des reptiles, on a des fossiles, comme le figuier, on a certains reptiles qui datent du tertiaire, on a certains requins qui datent du tertiaire, qui sont vraiment très très anciens. Et il y a un article en 1968 de Yamato Kimura dans Nature, qui est une véritable bombe. Il dit, ce qui est responsable de l'évolution, ça n'est pas la pression sélective, c'est le hasard. Et il va faire une démonstration en biologie moléculaire. Pourquoi il dit ça? Il dit, quand il y a pression sélective, eh bien, effectivement, il n'y a qu'une voie qui est tracée, il n'y a qu'une loi, il n'y a qu'une chose, on élimine ce qui ne correspond pas au caractère positif. Mais s'il n'y a pas pression sélective, tout est possible, tout peut se développer. Et il va faire... Alors, la démonstration est un tout petit peu délicate à expliquer. Peut-être facile à comprendre, mais je vais tenter de l'expliquer comme il faut. On est obligé de descendre un tout petit peu dans la biologie. Il prend une chaîne de protéines qui s'appelle l'histone 4. Je fais attention, je regarde Godès dans la salle, parce qu'il est biologiste. Tu me diras s'il y a des choses qui ne vont pas, hein, après.
Et il s'en cache, mais il est biologiste à l'origine. Et Liston 4, c'est une sorte de, on pourrait dire une sorte de paroi à photocopier qui permet de passer les informations entre l'ADN, qui est donc la bibliothèque, et puis l'ARN, qu'on va appeler le cuisinier, qui applique les recettes de la bibliothèque. Pour communiquer entre les deux, il y a des histones, et notamment l'histone 4, une vingtaine de protéines. Il prend l'histone 4 du pois de senteur et du bœuf musqué. Ils se sont séparés il y a 3 milliards d'années. Ça fait du temps, hein? Eh bien, sur les 20 protéines de la chaîne, une seule a changé. Donc le pois de senteur a le même histone 4 que le bœuf musqué. Là, on a un phénomène darwinien. Cette chaîne de protéines est entièrement nécessaire. Si on ne l'a pas, on ne se reproduit pas. Donc, elle est conservée sur 3 milliards d'années. Par contre, il prend comme contrôle le fibrinogène. Alors, le fibrinogène, vous avez dans le sang des petits paquets de 3 protéines plus une protéine crochée qui est au bout. Ces petits paquets de 3 protéines, 4 protéines, je crois, s'accrochent entre eux en présence d'oxygène. Pour ça, quand vous vous coupez, ça va, les paquets vont être de 8 et ça va boucher la coupure. Et là, il dit, je vais prendre l'âne et le cheval, et l'âne et le cheval sont pas encore séparés. Ils se séparent depuis 10 millions d'années, c'est très court, et c'est pas fini, puisqu'ils sont encore interféconds, en faisant les mulets, les choses comme ça. Fibrinogène, d'après Kimura et son équipe, tout peut avoir changé, parce que pour boucher, on peut prendre n'importe quoi. Par contre, seuls les crochets ne peuvent pas changer. Pas manqué sur les 4 fibres plus 4, parce qu'il y a une combinaison par appareillage, peu importe, elles ont toutes changé entre l'âne et le cheval en 10 millions d'années, sauf les crochets du milieu. Donc l'idée de Kimura, c'est de dire, s'il n'y a pas de pression sélective, tout est possible. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que lorsqu'on a les poissons à pattes, les crossopteringiens, qui sont complètement pourchassés hors de l'eau par les poissons hydrodynamiques, qui sont les champions dans l'eau, comme la forme du thon, du hareng, on est jeté sur terre, dans les vases, dans les systèmes. Et là, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que nous. Donc on va pouvoir se développer, faire un tas de choses. Donc l'idée de Kimura, c'est beaucoup plus de hasard de Darwin. La sélection se fait par les caractères négatifs, de temps en temps par les caractères positifs. Par contre, si vous avez un caractère négatif très fort, eh bien, ça ne marche pas. Par contre, des choses inimaginables survivent. La nature fait le cycle de la douve de foie du mouton, mais c'est un truc inimaginable. Elle drogue les fourmis, enfin, je passe les détails, pour que les fourmis montent. Enfin, bref. Alors, il y a encore un petit coup de bombe avec Kupiec et Sonigo. Et c'est un coup de bombe important. En gros, en France, je ne dirais pas qui, règne jusqu'à il y a 20 ans, 25 ans, ce que j'appellerais, moi, le mythe instructionniste. C'est-à-dire que, en gros, l'ADN et l'espace de mutation, il y a les recombinaisons, vous savez, tout ça, bon, et l'ARN, par contre, exécute. Alors, je vous rappelle, l'ADN, il y a les petites bases, la séquence des bases indique la séquence des 20 acides aminés qui font les protéines, et en gros, le cuisinier met les acides aminés ensemble pour faire les protéines. Mais l'idée, et ça va avoir des conséquences graves, c'est de dire que l'ARN n'est pas un espace de mutation. Il obéit à l'ADN. Les Anglais disent pas la même chose il y a 20 ans. Et puis, quand on se met à regarder de près, on s'aperçoit que quand l'ADN envoie une instruction ABC, avec une organisation des acides aminés, quelquefois, les acides aminés se mettent autrement. Donc l'ARN va être lui-même un espace de hasard et de mutation supplémentaire. Vous voyez que par rapport à Lamarck, Darwin, Kimura, Kupé, on n'a pas cessé de rajouter, en quelque sorte, du hasard, mais des possibilités. Ce hasard, c'est en fait des possibilités supplémentaires. Et ça va être assez explosif parce que les rétrovirus, les virus qui n'ont pas d'ADN, comme le virus du sida ou le virus de l'hépatite C, sont des virus à forte mutation. On aurait quand même pu un peu s'inquiéter sur le fait que les virus qui n'ont qu'un ARN aient de très fortes mutations. On a pris du retard en France là-dessus, très sérieusement, par rapport au reste de la biologie. Maintenant, l'erreur est corrigée. Mais, pire que ça, l'ARN est capable maintenant, on sait que l'ARN est capable de remonter sur l'ADN et de modifier des séquences d'ADN. Vous voyez que
Je n'emploie pas le mot bordel, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que ça, y a vraiment tout ce qui est possible, je l'ai employé, si. Je ne l'emploie pas profondément, on va dire. Voilà. Et tout ça est encore compliqué par la reproduction sexuée. En voilà du hasard. Une fois que vous avez une belle chaîne d'ADN, vous dites qu'elle est conservée de façon incroyable, eh bien non, à chaque reproduction, on rebrasse les cartes, on mélange. Parce que si c'est la parthénogenèse, ça tient le coup 3-4 générations et après les porteurs disparaissent. Donc si on veut que ça tienne, il faut qu'on présente de la diversité génétique pour résister aux agressions du milieu. Vous voyez que le hasard et le vivant, ça a été une lutte pour qu'on admette le rôle du hasard, mais en physique, réfléchissez, c'est la même chose. Einstein n'arrive pas à admettre la physique quantique, qui est une physique probabiliste. Et puis on avance encore plus là, dans ce domaine-là. Il va chercher une solution. Or, il travaille sur 10 puissance 21 mètres. Et la physique quantique travaille avec 10 puissance moins 21 mètres. Il est probable que les lois ne soient pas les mêmes entre des écarts pareils. Alors, voilà un psychologue qui apparaît. Alors, je suis psychologue, on vous l'a dit tout à l'heure. Et regardez la date, 1896. Alors, si vous prenez Lamarck, 50 ans après Darwin, 50 ans après Baldwin, 50 ans après Kimura, 50 ans après Cupier et Kessonigo. Tous les 50 ans, il y a une petite explosion dans le système. Baldwin publie un article qui va faire sensation en 1896 qui s'appelle « A New Factor in Evolution ». C'est-à-dire que là, on va aborder, on va quitter le hasard et on s'engage dans la sérendipité. L'idée de… Il a une idée extraordinaire. Ce que décrit Darwin, il a deux idées extraordinaires. La première, c'est qu'il transpose au niveau individuel ce que Darwin et d'autres, Kimura ne le connaîtra pas, ont établi au niveau des espèces. En gros, un individu peut émettre une population de processus. Une espèce a une population d'individus. La sélection trie dans ces individus. Mais il va dire, au niveau individuel, vous êtes une sorte d'espèce qui émettait une population d'action. Cette population d'action, cette population de comportement, elle va être triée par la sélection. Autrement dit, il continue le processus de sélection en passant du niveau biologique au niveau comportemental. Je vous donne un petit exemple. Dans les théories de type Darwin, si vous imaginez les quilles du bowling, où elles ont pris la boule ou elles n'ont pas pris la boule. Si elles ont pris la boule, elles sont finies, elles sont tombées. Alors, génétiquement, une quille peut être mince. Elle va moins subir les boules, passer plus à côté. Mais l'idée de Baldwin, c'est que puisque nous avons de la motricité, puisque nous sommes capables d'avoir des actions et de choisir dans une action, nous allons accélérer notre évolution. Cette idée-là, ça veut dire que si les petites quilles ont des pattes, quand la boule arrive, eh bien, elles l'évitent. Mieux, au bout d'un moment, elles font le tour et c'est elles qui lancent la boule. Vous comprenez que nous ne sommes pas, en quelque sorte, des quilles mortes face au milieu qui nous entoure. Nous sommes une interface extrêmement active et il y a le hasard et la nécessité, mais il y a aussi notre capacité à choisir des actions. Et la sérendipité, ça va bien être ça. J'ai des choses qui arrivent par hasard. Maintenant, par mes actions, je vais développer et amplifier le processus. Alors, il va proposer les réactions circulaires. Les réactions circulaires, et c'est un phénomène qu'il sera un des premiers à observer. Il se trouve que pour des raisons assez troubles, il va être professeur à l'école pratique des hautes études à Paris, et il aura des grands élèves comme Piaget, comme Vallon, qui vont s'inspirer énormément de ce qu'il va trouver. Une réaction circulaire, c'est tout simplement quand le bébé voit passer des choses devant ses yeux. Bon, il voit passer des choses devant ses yeux, mais le jour où c'est sa main, c'est quelque chose de tout à fait compliqué, puisque c'est lui qui est l'auteur, en quelque sorte, de la stimulation qu'il reçoit. Et le bébé qui trouve ça va immédiatement répéter, tout circulaire, va répéter, mais d'une façon incroyable. Pareil pour le bébé qui se rend compte que quand il lâche de son berceau, ça tombe. Et à côté, vous, patiemment, vous remettez. Ce n'est pas pour vous embêter. Il teste ce qu'il vient de découvrir. Il va le garder. Quand je lâche quelque chose, il y a un bruit. Et je vais... les macaques japonais sont devenus célèbres. Une femelle qui s'appelle Imu, justement par un processus de sérendipité. Il se trouve que dans des îles japonaises, plutôt au nord du Japon, ils tiennent le coup parce qu'il y a des sources d'eau chaude, volcaniques, parce qu'il pourrait avoir froid l'hiver. Et ces macaques se nourrissent de sortes de carottes qui sont dans le sol, dans le sable notamment.
Ils sont observés depuis 1950 par des éthologues. Ils sont toujours observés. Il y en a sur plusieurs îles. Et cette femelle, elle fait tomber sa carotte dans une flaque d'eau. Maladresse. Maladresse. Elle sort la carotte. Elle frottait la carotte. Vous doutez bien qu'il pour enlever le sable, il frotte la carotte. Elle sort une carotte qui n'a plus de sable. Toute l'île frotte depuis 1950. C'est-à-dire que socialement, tout a été communiqué entre tous les enfants. Elle est morte depuis longtemps, Imo. Toute l'île frotte. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'île d'à côté ne frotte pas. Personne n'a eu la chance, par hasard, d'avoir une carotte qui tombe dans l'eau jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Imo a immédiatement stocké, immédiatement exploité ce qu'elle avait par hasard trouvé et l'a reproduit. Et ils ont bien sûr fait les expériences pour bien montrer que ça ne se transmet pas. Ils ont pris des bébés nés dans l'île où ça trempe et mis dans l'île où ça ne trempe pas. Et le malheureux bébé qui vient de l'île où ça trempe, eh ben, il ne trempe pas dans l'île où ça ne trempe pas. Parce qu'évidemment, ça se passe par un apprentissage social. Et alors, quelqu'un va exploiter ça. C'est sa date de naissance, là. C'est Skinner, vous avez tous entendu parler, je dis tous parce que c'est culturel pratiquement, des boîtes de Skinner et du conditionnement opérant. Et là, on est vraiment dans le mécanisme comportemental de l'exploitation du hasard. La boîte de Skinner, c'est une boîte dans laquelle on va mettre un rat qui est pas affamé, mais qui a très très faim. Et il y a plein de petits objets, mais notamment il y a une pédale. Et s'il appuie sur cette pédale, il a quelques graines qui vont tomber et donc il va assouvir sa faim. Qu'est-ce que fait le rat? Le rat fait exactement ce que dit Baldwin. Le rat fait n'importe quoi comme action. Il fait une population d'actions, comme l'évolution crée une population d'individus au hasard. Ça marchera, ça ne marchera pas. Et quand il appuie sur la pédale, il voit sortir les graines. Là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il va laisser tomber tous les autres stimulus qui sont autour de lui. Mais si pendant qu'il appuyait sur la pédale, il touchait son oreille, par exemple, eh bien, chaque fois qu'il appuiera sur la pédale, il continuera à toucher son oreille. Si jamais ça servait à quelque chose, je le refais. Vous voyez qu'il y a dans le rat, mais il y a chez nous, quelque chose qui est en face d'un renforcement, les psychologues appellent ça un renforcement positif, c'est-à-dire quelque chose qui m'a apporté quelque chose, eh bien, il va y avoir un stockage, et le rat, d'ailleurs, s'entraîne à répéter l'action. Elle va se transférer sur d'autres pédales, et on peut le conditionner sur des choses hallucinantes, notamment lui apprendre à se conditionner sur la variabilité des pédales, c'est-à-dire savoir que ce n'est que la troisième, ça c'est l'ordre, la troisième pédale qu'il appuiera, mais il faut qu'il appuie sur trois pédales différentes. On peut monter le conditionnement à un niveau qui est relativement ahurissant quand on l'observe. Et c'est vrai des mammifères et des oiseaux. C'est vrai chez les oiseaux. Donc voilà que, en quelque sorte, j'ai des mécanismes en moi qui me permettent d'exploiter, en quelque sorte, ce que le hasard m'apporte. Alors, on va passer à des exemples célèbres de sérendipité. J'ai dit l'animal humain parce que les psychologues de mon acabit établissent une continuité de l'animal. L'homme est un grand singe, c'est tout, c'est fini, il a un peu plus gros cortex. On ne décrit pas l'humanité, on ne s'engage pas dans un processus délicat et douloureux de définir l'humanité, c'est-à-dire quelque chose de particulier. Donc on va voir que ces animaux humains ne sont pas très différents de notre Imo tout à l'heure, la femelle de l'île. Alors Goodyear, 1842, c'est l'inventeur du caoutchouc. Il va mourir en prison, ruiné, etc., pas fait de brevet, mais en honneur à sa découverte, on va appeler certains pneus des Goodyear. Et Goodyear, il est fasciné par la sève d'EVA, et il essaie des trucs, il essaie au hasard. Et il arrive avec de l'acide sulfurique à faire des sacoches, il arrive à les vendre à la poste, mais ça finit très mal, parce que ces sacoches en caoutchouc fondent en été, donc le postier, et en hiver, se casse. Donc ça ne va pas aller, ça ne marche pas. Et il commence à avoir des soucis, et il est dans un petit hangar au fond d'un jardin, il fait très froid. Il a l'idée quand même qu'il y a quelque chose dans l'acide sulfurique, c'est le soufre, que ça doit se mélanger à la poudre, enfin à l'EVA, pardon, au liquide EVA. Et il fait très froid, il a un poêle chauffé au rouge, il a neigé. Il lâche sa boule de caoutchouc sur le poêle. Et ça pue horriblement. Il la jette par la fenêtre.
Et il laisse tomber, il revient le matin, il va quand même chercher dans le trou qu'elle a creusé dans la neige, sa boule de caoutchouc. Et là, la boule est élastique, malgré le froid. Il la trempe dans l'eau chaude, il dit, elle va fondre comme mes sacoches. Non, la boule, il a découvert le caoutchouc. Il croit qu'il l'a découvert. Première sérendipité, comme Imo, il a lâché. Il a lâché la carotte. C'est la même maladresse chez le singe et chez l'homme qui leur font découvrir quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Vous pensez tous en ce moment qu'une fois que j'ai chauffé le caoutchouc, il faut que je le trempe, comme le métal. Ben non, il trempe, le pauvre. Ça sent tellement mauvais ce qu'il fait qu'on le chasse du jardin où il a mis son petit cabanon, il est obligé d'aller encore plus loin pour faire, parce qu'il chauffe ce caoutchouc, ça sent pas bon, etc. Et il met un an pour découvrir la deuxième sérendipité. En fait, la boule, en tombant dans la neige, a fait de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau est indispensable au moment où on fait cuire le caoutchouc, on vulcanise le caoutchouc. Donc, il trouvera la deuxième sérendipité qui sera, effectivement. Donc, on voit bien que la sérendipité, ce n'est pas un cadeau. C'est un petit peu quelque chose. Et après, il y a beaucoup de travail pour y arriver, pour l'exploiter, en oubliant ce qu'on a fait avant. Alors, Fleming, vous avez fait allusion, c'est extrêmement célèbre. 1928, c'est l'invention de la pénicilline. Là aussi, c'est de la sérendipité à deux étages. Et il y a quelque chose. Alors, on en parle plus ou moins. Mais d'abord, Fleming, quand on dit qu'il n'était pas soigneux, parce que dans le fond, je reprends la phrase de Gilles Roriche, l'innovation serait-elle fille du désordre, de la désorganisation, de la procrastination, de la maladresse, comme on vient de le voir. Eh bien, Fleming nettoyait mal ses boîtes de pétri. Vous savez, la boîte de pétri, c'est la petite boîte en plastique dans laquelle on fait les cultures. Donc, elle moisissait de temps en temps. Il était connu pour faire de très belles expériences, mais pas très soigneux sur ses boîtes de pétri. Eh bien, il aura le prix Nobel de médecine, évidemment, avec la pénicilline. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, vous savez, qu'autour de la moisissure, il n'y a pas de bactéries, au microscope. Et, étrange résultat, mais il avait lu déjà beaucoup de choses sur le fait que moisissure et bactéries ne s'aimaient pas. Il identifie la moisissure, c'est une sérendipité, n'importe qui aurait jeté les boîtes. Il identifie la moisissure, mais il ne sait pas d'où elle vient. Puisque par définition, ça, il ne sait pas qui a ensemencé la moisissure. Et c'est, je crois, 2 ans après, qu'au laboratoire Pfizer, je crois que c'est une laborantine, dans une corbeille, il y a un melon qui pourrit, et elle va prendre les moisissures de ce melon, c'est un comble dans un labo, d'avoir un melon qui pourrit, je veux dire un labo pharmaceutique. Et d'ailleurs, elle se fera appeler Madame Pourrie. Mais elle va trouver que c'est la souche de pénicilline qui permet de fabriquer la pénicilline. Après, Fleming n'osera pas parce qu'il dira, mais si on met ça dans l'organisme, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas tuer les gens à leur tour, etc. Mais non, vous connaissez la suite. Donc là, on a de la sérendipité à 2 étages. Alors, il y a des auteurs qui sont intéressants, enfin des chercheurs. Bernard Palissy, tout le monde connaît sa légende, en 1545, il retrouve la vitrification de l'émail qui a été perdue, c'est-à-dire la capacité à faire quelque chose qui ne craint pas le soleil, qui est pratiquement indestructible, qui vitrifie. Et il y a Nicolas Appert aussi. Alors eux, ils sont intéressants parce qu'ils sont comme le rat de Skinner. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire, ils essaient tout ce qu'ils peuvent. Nicolas Appert, il participe, vous savez qu'il a inventé les conserves, et que sa technique est toujours utilisée aujourd'hui. Il met 15 ans à inventer les conserves. 15 ans. Mais quand il est arrivé, il est en fait le précurseur de ce que Pasteur trouvera plus tard, c'est-à-dire des micro-organismes, des ferments. Et il répond à un concours de la marine qui voudrait que on évite le scorbut sur les marins. Vous savez que le scorbut ravage les bateaux, on emmène du frais, le frais pourri, et après, il n'y a plus de vitamine C. Et il est confiseur, donc il sait conserver. Il sait conserver par le gras, par le sucre, par la graisse, par le sel. Mais il se lance, il a l'intuition de la stérilisation. Il a l'intuition de fermer de façon étanche les bouteilles avec de la cire, etc. Ça marche. Lorsqu'on lui demande de déposer le brevet, il ne le dépose pas, il dit « mon invention est trop utile à l'humanité, il mourra ruiné, etc. » Un Anglais va déposer le brevet, etc. Bon, ça ne fait rien. Mais Nicolas Appert, pas d'ici, c'est le rat de Skinner. Ils essaient. Ils sont méthodiques et ils mettent, pas d'ici, mais 20 ans. Appert met 15 ans. La sérendipité, oui, mais c'est douloureux. Hein, ce n'est pas donné comme ça d'un seul coup. Alors, il y a des freins à la sérendipité. La sérendipité, si vous voulez, moi je l'interprète comme ma capacité à puiser dans mes actions, ma population d'actions, des actions qui sont en continuité avec ce que le hasard m'a porté et qui sont dans le bénéfice de ce que j'entreprends. Il y a quelque chose de très curieux, si on parle de Denis Papin, vous allez me dire, Denis Papin, il a inventé quoi ? Allez, répondez, même si vous vous trompez.
il a inventé la machine à vapeur. Tout le monde dit ça, moi le premier. Et c'est René Favier qui m'a dit, mais non, il faut 100 ans pour qu'on invente la machine à vapeur. Qu'est-ce qu'il invente, Denis Papin? Il invente la cuisson à la vapeur. Il va faire l'autocuiseur, il va monter un truc qui est prodigieux pour l'époque, à 20 bars, on le sait, parce qu'il a fait fondre des trucs en étain qui étaient dans le... Donc il découvre non pas la puissance de travail de la vapeur, mais sa puissance calorique, puisqu'il cuit à 130 degrés les aliments. Et il dit, on peut cuire les bas morceaux du... Enfin, on peut cuire les bas morceaux de la vache. Il fait même cuire des os. Et on va sauver les orphelinats, les hôpitaux, qui sont très pauvres, parce qu'on va pouvoir leur faire manger des choses qui sont immangeables, mais cuits avec mon appareil, on va bien manger. Et comme il est dans cette idée-là, il ne part pas sur la machine à vapeur. Ceci dit, il va travailler, le comble, c'est que vers la fin de sa vie, il va travailler sur les pistons de la machine à vapeur, il ne pense pas à associer les deux choses. Et ce n'est pas de la sérendipité qui est là. Il a travaillé, il a compris ce qu'était la vapeur. C'est James Watt, par contre, qui va, en voyant les pompes à eau dans les mines, qui travaille avec un système de chauffage, mais qui ne travaille pas à la vapeur, qui travaille à la dilatation de l'eau, en fait, va avoir l'idée d'introduire la vapeur dans des cylindres, et surtout de se servir de la vapeur telle qu'elle. On ne pense pas que la vapeur puisse pousser un piston. C'est trop gazeux, quelque part. On n'a jamais vu la vapeur comprimée. Et il va contribuer, il faut 100 ans. Vous voyez que ça... Des gens qui disent, on cherche des chercheurs, on trouve des chercheurs qui ne cherchent pas, ils signent leurs bêtises. Parce que qui regarde d'un peu près l'histoire des inventions dont ils bénéficient, ils verront que c'est un chemin de croix, mais c'est un travail incroyable. Alors, il y a de l'anti-sérendipité, en disant, surtout ne cherchez pas ce qu'on peut faire de ce que vous avez trouvé. Vous savez que ceux qui ont découvert le laser sont venus voir leur patron de labo, ils étaient quatre. Le patron de labo dit, vous vous remettez au travail. Et là, j'ai cité un livre, il y a un document, vous aurez les références, de l'invention inutile à l'outil indispensable. Vaut mieux se taire dans ce cas-là, évidemment. Il y a le cinématographe, les frères Lumière pensent que ça sert, c'est une invention inutile. Et j'ai beaucoup travaillé, c'est devenu un ami, avec Bernard Amblard, dont le grand-père, à Marseille, a acheté le brevet pour faire le premier cinéma public. Et ils ont vendu leur brevet très rapidement. Pas pour ça que Bernard Amblard est richissime, d'ailleurs, pas du bien se débrouiller. Les phrases assassines, c'est des savants, en général, qui envoient une phrase du type « faire sur faire, ça ne marchera jamais ». Donc quand les gens ont commencé à faire du chemin de fer avec une locomotive automobile, et non pas un cheval qui tirait, on a dit « non, vous ne pourrez pas, ça va glisser, faire sur fer ». Et les premières locomotives ont des pattes pour pousser à côté. Puis aujourd'hui, les locomotives, elles traînent 4500 tonnes derrière elles, faire sur fer. Donc ça, c'est les phrases « les cailloux ne volent pas ». Est-ce qu'on a vu des cailloux voler? Donc ne faites pas d'avion, alors qu'on oublie que les oiseaux autour de nous volent. Puissance et légèreté pour voler. Bon, ça. Alors, un autre frein qui est plus subtil. Je suis presque dans les temps, là. J'ai encore combien de temps? C'est la notion d'affordance. Cette notion, c'est comme la sérendipité. On en parle et c'est des notions tournantes, en quelque sorte, pour certaines pratiques. Vous connaissez tous le parcours de Vincent Bolloré, aujourd'hui une boîte extraordinaire, et en local d'Antoine Raymond, qui sont des entreprises qui prospèrent à travers le monde, avec un nombre d'employés considérable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vincent Bolloré, il reprend l'usine bretonne de papier, le papier Job, papier à cigarette, de son oncle. La seule chose qui marche dans l'usine, c'est la voiture de son oncle, une BMW. Tout est en mauvais état, tout va mal. Et au lieu de continuer à faire du papier à cigarette, mais il dit, c'est pas le papier à cigarette que nous savons faire. Nous savons faire les papiers minces. Donc il va travailler sur l'usage, sur l'affordance, je le définirai tout à l'heure. Donc il lance les dosettes de thé. Les dosettes de thé, c'est un papier percé très très mince, comme le papier à cigarette d'ailleurs. Il est percé le papier à cigarette. Ils vont plus loin, ils lancent les films ultra fins en plastique pour faire des condensateurs très performants. Ces condensateurs rentrent, ou les accumulateurs rentrent dans la fabrication des batteries. Et aujourd'hui, Bolloré est sur le véhicule électrique de pointe. Ils ne se sont pas... Antoine Raymond, c'est le bouton pression pour les gants. Vous savez, le petit bouton pression pour les gants. Puis il se dit, mais bouton pression pour les gants, si ça continue, ça va mal finir. Parce que d'abord, les gants sont fabriqués par des tas de gens. Il n'y a pas de bouton pression maintenant. Il n'y a même plus de gants. Et il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, bouton pression? Ça veut dire j'accroche. Il se lance dans l'accrochage des tissus
l'accrochage des tissus dans les automobiles. C'est la même chose que le bouton pression, c'est le même principe. Et ils en sont maintenant à l'accrochage des patchs vétérinaires sur les vaches en disant c'est le même principe. Nous travaillons dans l'accrochage. Tout ce qui est accrochage, nous y allons. Et c'est comme ça qu'ils ont développé, donc non centré sur l'usage et non sur l'objet. L'affordance, qu'est-ce que c'est? C'est une révolution dans la conception de l'objet qui a été faite par un psychologue qui s'appelle Gibson en 1970, qui dit nous ne percevons pas les objets du monde. On peut le faire à titre encyclopédique, tranquillement, on peut dire tiens, il existe une pomme, ou je regarde, c'est un arbre, etc. Mais ça, quand on vit, quand on est en action, comme le décrit Baldwin, nous ne percevons pas les objets du monde, nous percevons les utilités. Nous percevons ce qui est utile à notre action. Par exemple, et ils vont le démontrer, c'est démontré expérimentalement, une pomme ça n'existe pas. Ce qui vous intéresse, c'est sa mangeabilité, le habilis, c'est-à-dire sa propriété d'être mangeable, est très important, qui est commun aux Anglais et aux Français. Le mot affordance n'existe ni en anglais ni en français, il vient de l'anglais. To afford, c'est pouvoir, avoir la possibilité. Si vous achetez une maison en Angleterre, on dit « call you afford ». En général, vous dites « no ». Bon, mais oui, c'est très cher. L'affordance, c'est un mot construit sur cette « obtenir » et on peut le rapprocher de « provide » et de « providence » en français. Qu'est-ce qui m'intéresse dans une pomme si j'ai envie de la manger? C'est sa mangeabilité, c'est-à-dire son parfum, sa couleur, sa maturité. Si maintenant je veux me défendre gentiment d'un animal qui m'embête, je m'intéresse à sa lançabilité, c'est plus pareil. Elle doit être un peu plus dure, je me moque qu'elle soit sa couleur. Je suis pâtissier, je m'intéresse à sa tranchabilité. Je veux faire des belles tranches. Il y a des pommes qui ne les font pas, il y a des pommes qui les font bien. Vous voyez que dans la pomme, il y a une multitude d'affordances et c'est un objet éclaté en fait. Il y a un millefeuille dans la description de l'objet. Et en ergonomie, ça se complique par le fait que je ne le développerai pas parce qu'on sortirait de la séance, mais en ergonomie, l'individu est également un millefeuille de processus. Donc il va y avoir non pas un sujet, un objet, mais la rencontre entre un certain processus et une certaine affordance. Et ils ont fait des démonstrations très sérieuses. Ils démontrent qu'on ne perçoit pas la hauteur de la contre-marche dans un escalier, mais qu'on perçoit la montabilité de l'escalier. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas de percevoir la marche. C'est un problème de physique ou de menuisier. C'est est-ce qu'il est montable pour moi? C'est ça la vie. Est-ce que l'escalier est montable? Mais quand on montre des photos d'escalier à des gens, et on sait que si l'escalier fait plus de... La contre-marche fait plus de... C'est beaucoup, 87% de la longueur de la jambe, mais on peut toujours monter avec de l'élan et tout ça, on prend les mains. Eh bien, la quasi-totalité des gens, lorsqu'on arrive au seuil où ils ne peuvent plus monter, réellement, disent, là, je ne peux plus monter, ce qu'on appelle le point d'égalisation subjective pour ceux qui aiment la psychométrie. Et donc, il y a une perception très exacte de je monte ou je ne monte pas, je passe ou je ne passe pas, je vais bunir. On sait que quand vous allez taper, c'est fini. Vous avez la distance que vous avez est trop courte, etc. etc. Donc, l'affordance, c'est quelque chose de plus large que l'objet, c'est la multiplication de l'objet. Si c'est la multiplication de l'objet, c'est la multiplication des usages, c'est la multiplication des marchés. Alors, j'ai gardé pour la fin ce que je considère comme le plus étrange, et qui est aussi le travail d'un psychologue qui s'appelle Jacques Lautré, et qui s'est vraiment lancé dans une recherche, c'est expérimental, il a pas eu peur. Pour revenir à ce que disait Gilles Rorich, j'aurais beaucoup cité. Hein. Est-ce que l'environnement, un environnement un peu rigide, dans le fond, pourrait pas être un frein à l'innovation, à la sérendipité? Et au contraire, un environnement souple, un peu désorganisé, un peu inattendu, serait peut-être favorable à la capacité que décrit Baldwin, c'est-à-dire changer dans une population d'action, prendre la bonne action, s'accommoder, aller vers une conduite de détour, se détourner du but initial pour aller vers un nouveau but. Et alors, il va faire quelque chose d'osé. Il va prendre des enfants de 10 ans, tous parisiens, tous du même niveau intellectuel, tous des garçons, tous des enfants d'ouvriers, pour éviter des effets de niveau intellectuel, de niveau social, de localisation, etc. Il neutralise tout ça. Il en a une centaine. Et il va interroger les familles sur leurs habitudes familiales. Notamment avec un questionnaire très anodin. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que les questionnaires,
subissent ce qu'on appelle la désirabilité sociale. On répond au questionnaire ce qu'attend le questionnaire à la société plutôt que la réalité. Et il y a des questions toutes bêtes comme quand l'enfant rentre de l'école, est-ce qu'il doit faire ses devoirs tout de suite? Ou est-ce qu'il peut attendre? S'il fait beau, aller jouer puis faire ses devoirs après. Est-ce que, à quelle heure jusqu'à quelle heure on regarde la télévision le soir? Alors, il y a des familles où, à 8h30, quoi qu'il arrive, on ne regarde plus la télévision. D'autres qui disent, ben non, s'il n'y a pas école le lendemain, il peut regarder. Puis ils disent, même des fois s'il y a école, c'est un très bon film, il peut regarder parce que moi, des fois, je préfère qu'il voit un très bon film et puis qu'il dorme un peu devant le maître qui n'est pas toujours très bon. Donc, il s'aperçoit qu'il peut classer. Alors, il y a des familles, par contre, où le soir, à 11h30, c'est l'enfant qui ferme la télé, les parents sont couchés. Le lendemain, les parents, pour faire la moyenne, l'envoient se coucher à 7h30, pieds et poings liés. Donc, il arrive à décrire trois types de familles, des familles qu'il appelle rigides, où les liens entre les événements sont toujours les mêmes. Donc, on met ses pantoufles quand on rentre dans la maison, on fait ses devoirs tout de suite, etc., etc. Il trouvera les facteurs qui poussent à ça. Hein. Il trouve des familles qu'il appelle souples, où le lien entre les éléments... Est-ce que tu vas regarder le film ce soir? Le gamin dit, attends, il faut que je calcule, parce que chez moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, je vais regarder. Et puis, les familles qu'il appelle aléatoires. Il prend ses enfants et leur propose une tâche, il va se passer quelque chose d'inattendu. Donc, il va falloir gérer une nouveauté. Il va falloir se transformer face à cette nouveauté. C'est une simple plaque de métal. On est sur une feuille de papier posée sur le bureau. Et vous avez une... Mais ça, oui, malheureusement, une simple plaque de métal. J'ai fait l'erreur d'avoir mon pointeur qui, en même temps, oui. Et il y a une encoche dans la plaque de métal. Elle est assez lourde. Et on demande aux enfants, tu dois pousser avec ton crayon, comme ça, ça va marquer le trajet, la plaque de métal pour qu'elle vienne sur la croix. Sur les 100 enfants, 2 disent, ça ne va pas monter tout droit, on ne peut pas. La plaque, elle va tourner. Ils les éliminent. Ils ne nous intéressent pas, cela. Ce n'est pas cela qu'on veut. C'est ceux qui pensent que ça va monter tout droit et qui vont donc se trouver devant un événement inattendu. Qu'est-ce qui se passe quand vous poussez une plaque comme ça? Elle se met à tourner, à s'écarter de sa cible. Et donc on voit une période que j'ai mis en bleu d'une résistance à l'accommodation. Accommoder, ça veut dire je change ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je passe sur un autre système. C'est une conduite de détour, l'accommodation. C'est là au sens propre du terme d'ailleurs. Et il va mesurer la longueur de cette phase où, en quelque sorte, l'enfant tente, et ça fait des zigzags, de toujours aller vers le haut, jusqu'à ce qu'il accepte le basculement, le looping, donc de se détourner de la croix pour y retourner dessous. On peut très facilement mesurer cette longueur, et là, elle est corrélée, cette longueur, avec la structure du milieu familial. Et c'est pas évident, hein. Plus le milieu est rigide, plus l'accommodation tarde à venir, c'est-à-dire que les oscillations sont longues, plus le milieu est souple, plus elle est courte, c'est-à-dire que l'enfant accepte de tourner face à quelque chose d'inattendu, il part dans une conduite de détour. Sur les familles instables, il n'en a pas assez pour faire une statistique. Néanmoins, ça n'a pas l'air d'affecter les enfants. Les quelques instables qu'il avait sont pas pires, pas plus mauvais, pas meilleurs que les autres. Donc là, il se pourrait qu'un environnement, une entreprise trop rigide, une école, une administration, un laboratoire, une famille, freine les possibilités de souplesse qui sont nécessaires dans les phénomènes d'innovation et de créativité. On ne la décrète pas, l'innovation. Alors, je ne sais même pas comment conclure. Et je ne sais pas. Simplement rappeler que, passons du hasard, la sérendipité, à l'innovation de rupture, évidemment. Et l'innovation, c'est la mise en société d'une découverte. Il y a une dimension économique directe, ou non. Vous savez l'histoire du lavage des mains en hôpital. Semmelweis, un médecin autrichien, découvre que s'il se lave les mains après avoir touché des malades et notamment fait des autopsies pour la police, qui lui rapporte beaucoup d'argent, les femmes qu'il accouche après ne meurent moins. Il fait tomber, je crois, d'un tiers la mortalité des femmes. Il dit, on ne sait pas trop pourquoi, mais il fait laver les mains à tout le monde et il a des très bons résultats. Sauf que quand il dit au médecin, il faudrait vous laver les mains, vous venez de faire une autopsie, vous allez voir. Les médecins disent, nous ne pouvons pas porter la maladie dans nos mains. Vous vous rendez compte? Il mettra 12 ans à imposer cette idée que si on se lave les mains, combien de femmes vont mourir à cause de ça?
comme quand Pasteur dira qu'il y a des microbes, des chirurgiens frotteront leur, disant j'y crois pas, frotteront leur lame, de, continueront à frotter la lame de leur bistouri sur leur semelle en cuir, pour les aiguiser. Eh oui. C'est une double interaction entre, non pas l'objet, j'ai supprimé l'objet, entre l'usage et l'affordance, le chercheur et l'environnement. L'environnement joue un rôle considérable. Les mammifères, dont nous sommes aujourd'hui les brillants représentants, les mammifères, qu'est-ce qui a fait leur fortune? Ben c'est l'homéothermie, avec les oiseaux. Il y a quelques reptiles qui commençaient à trouver l'affaire intéressante. Mais les mammifères apparaissent. Imaginons des dieux qui créent. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait de faire des animaux qui sont obligés de manger tout le temps et qui sont à une température constante? Regarde-moi, mes crocodiles, pendant un mois, ils peuvent rester tranquilles sans manger, ils ne consomment rien, ils attendent, puis après ils repartent, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait très froid, vous savez probablement qu'à ce moment où apparaissent les mammifères, en même temps, on a d'énormes présomptions sur un hiver, pas nucléaire, mais dû à des météorites énormes, qui fait que pendant, je crois que c'est un millier d'années, on a un abaissement très fort de la température. Qu'est-ce que ça permet, l'homéothermie? Il y a trois niches immédiates à occuper. La nuit. Il n'y a personne la nuit jusqu'aux mammifères. La nuit, je mange les reptiles qui dorment. Les petits serpents, tout ça, les lézards. Eh oui, je les réveille et je les mange. Je peux monter vers le nord, il n'y a personne. Parce que moi, j'ai ma cuisinière avec moi, je chauffe en permanence. Je mange tout le temps, d'accord, mais je chauffe. Je peux monter en montagne, il n'y a personne. Immédiatement, les mammifères et les oiseaux vont pouvoir utiliser des niches écologiques, mais je ne parle que des mammifères pour l'instant, qui sont complètement libres. Et en plus, le fait d'être obligé de chasser tout le temps va développer des fonctions cognitives importantes. Évidemment, on est sans repos. Alors, il y en a qui sont quand même demi-reptiliens, les ours ont trouvé un moyen, il y a les marmottes de dire « on fait un coup de reptile pendant 3-4 mois, ça nous fera moins de travail ». Mais vous voyez qu'il y a bien une double interaction qui est très importante. Peut-être que si la Terre n'avait pas été froide au moment de l'arrivée des mammifères, ça n'aurait pas tenu le coup l'affaire. Ça n'aurait pas tenu le coup. Alors, jusqu'où va-t-on dans le cadre de la sérénité? Désordre, maladresse, inorganisation, procrastination sont-ils les clés de la réussite? Eh bien non. C'est peut-être des conditions parfois nécessaires, mais jamais suffisantes. Flexibilité nécessaire, exploitation intelligente et acharnée de la découverte inattendue. Voilà, je vous remercie. J'ai mis Skinner parce que c'est vraiment l'exemple de notre problème d'aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est une expérience qui est très, très célèbre. Je cherche le nom de c'est un nom, c'est Heim quelque chose. Si quelqu'un peut m'aider, là, l'expérience sur les chatons est très célèbre. Et en fait, il y a deux chatons qui sont sur un diamètre d'un cercle. Et un des chatons est le chaton qui fait les mouvements du manège. Et donc, qui déplace le manège, le fait avancer, le fait reculer, etc. Et le chaton, en quelque sorte, asservi, lui, va avoir tous les mouvements mais produit par la motricité de l'autre. Et vous avez raison, il a une forme de cécité du mouvement. Et il est venu faire la conférence à Grenoble, il y a une vingtaine d'années, l'auteur de cette recherche, qui montre que la proprioception, en quelque sorte visuelle, ne s'acquiert que dans une boucle avec sa propre proprioception, effectivement. Donc c'est pour ça que peut-être le bébé tient tant à ses réactions primaires. Alors, on a décrit des primaires, des secondaires, des tertiaires, etc. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il semblerait qu'on ait, l'évolution est retenue peut-être, un système de copie, ce rare superstitieux, on appelle, qui touche son oreille à chaque fois, qui retient qu'il avait touché. D'ailleurs, les humains font pareil. Il vous arrive quelque chose de grave, vous avez vu un chat noir, vous allez penser quand il y a un chat noir, c'est une chose grave pour vous arriver. Fausse causalité. Mais nous avons une espèce de système d'enregistrement de ce qui était renforcé positivement, qui est assez... pour l'instant, qui est assez étrange, quoi, assez puissant. Qui est à croiser, alors je ne vais pas le développer avec ce que Piaget appellera l'accommodation majorante. En gros, face à certains problèmes, et c'est lamarckien cette fois-ci, on a des réserves d'adaptation. Par exemple, on ne meurt pas à 4000 mètres, on étouffe au début, puis petit à petit,
on va se mettre à respirer. Donc ça, c'est le petit espace supplémentaire pour s'accommoder et s'en sortir face à une contrainte. C'est encore un autre problème. Je sens que dans l'état où je suis, je vais avoir raison sur tout et répondre à tout. Donc je laisse les questions. Tout à fait d'accord sur les affordances. L'affordance est une chose que les écologistes n'aiment pas parce que c'est assez cognitif, comme tu le dis. C'est déjà dans la tête du sujet, les possibles de l'objet. Non, c'est de dire que si on raisonne, j'étais sur l'innovation avec Bolloré et Raymond, c'est que si on raisonne sur l'objet, on perd les possibles des affordances de l'objet. Et donc on va bloquer les possibilités de trouver ce qu'on cherchait pas finalement, de travailler sur un objet, un marché qu'on n'anticipait pas dans l'usine. Le détournement d'usage, alors lui, est piloté par l'affordance. C'est ça, oui. En général, mon but, c'est de faire de la musique. Eh bien, je n'ai pas obligé d'avoir un instrument de musique. Ouais. Le SMS qui est fait avec un langage qui était destiné, on en a parlé ici même, lors des journées de la SFR Innovax. Pourquoi le SMS va marcher si fort malgré la difficulté d'utiliser, l'ergonomie catastrophique? Parce que l'idée de communiquer par écrit, c'est une affordance incroyable par rapport, je peux dire par écrit, je sais que je ne vais pas déranger, je peux dire des choses que je n'aurais pas osé dire, etc., etc. Le développement du SMS va être très fort parce qu'il renvoie une affordance. Le smartphone dont je parlais tout à l'heure, c'est parce qu'on peut communiquer partout, à tout endroit, c'est une affordance en arrière-plan. Et le détournement d'usage du téléphone en ordinateur, un mini-ordinateur qui est localisé partout, se comprend. En général, c'est piloté par l'usage, le besoin, l'utilité. Quand on découvre les Amérindiens, puisqu'on est obligé de dire comme ça maintenant, les Amérindiens, ils sont, sauf erreur de ma part, ils sont à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'usage des métaux. Les tomahawks sont en pierre, ils sculptent les os, c'est très joli tout ça. Ils n'ont ni la roue, je parle de l'Amérique du Nord, hein. Et je crois qu'ils n'ont même pas l'accès à l'or, alors que d'autres populations l'auront. Ben, je crois que c'est par... il n'y a pas une sérénité, c'est-à-dire peut-on inventer qu'il existe le métal sans l'avoir jamais vu, parce qu'on a fait un feu par hasard sur du minerai que ça a coulé? Comment aller chercher du métal? C'est pas possible. Donc, rendez compte, en reste pendant, c'était les métaux, je crois que c'est 4 ou 5 000 ans, l'âge de fer, c'est plus que quelqu'un le sait, c'est vieux. Eh bien, vous avez, 10 000 ans après, certaines populations n'y sont pas, parce, comme dans l'île avec les singes, l'île d'à côté ne trempe pas, 50 ans après. C'est pourtant rien. Il y a des flaques d'eau de partout, mais ils ne trempent pas. Ça fait peur, parce qu'on est en train de se dire, mais il y a peut-être des choses qui auraient avancé. Ceci dit, on avance, la recherche devient de plus en plus précise, peut-être qu'on tient compte des possibles, peut-être qu'on contrôle de plus en plus tout ça. Hein. Il y aura peut-être de moins en moins de sérendipité. Mais c'est vrai, c'est un bel exemple de sérendipité persistante. C'est un paradoxe. Oui. Mais il y a des choses... Sur tous les grands qu'on a cités déposent des brevets, là. Et bloquent, on dit, certains ont bloqué, Watt va interdire qu'on utilise la vapeur haute pression dans des cylindres. Il a compris la puissance que ça représente, il va freiner le développement des locomotives à vapeur pour garder ses machines à vapeur. Et il n'y aura pas d'alternative, là. Il faudra attendre les diesels et l'électricité, les moteurs thermiques, beaucoup plus tard. Alors il y a des coûts, oui, peut-être, ça force à la créativité. La contrainte du brevet crée la créativité. Un milieu souple a des contraintes. Un milieu rigide n'est que contrainte. Un milieu aléatoire n'en a pas. Bien, écoutez, je vous propose qu'on remercie encore Théophile Holman pour cette belle réponse.